Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est à Saint-Lin-les-Laurentides dans le cadre de ma tournée L'achat local, c'est écologique. Et on se retrouve au jardin humanitaire. On va aller rencontrer Annie qui va nous raconter comment ça fonctionne ici et ce qu'on peut y retrouver. Bonne visite! Jardin humanitaire est un organisme communautaire à but non lucratif. Notre mission est de prendre soin de l'humain et de la terre. On favorise la socialisation, l'intégration, l'insertion sociale et professionnelle à toute personne par des activités offertes dans un environnement éco-responsable. Tout notre espace est aménagé en permaculture. C'est un concept qui respecte complètement la nature. On offre des visites guidées de nos jardins privés et collectifs où vous retrouverez plantes potagères et médicinales. Tous nos produits sont cultivés, récoltés et transformés à la ferme par les participants. On retrouve une variété de tisanes et de vinaigres aromatiques faites de plantes sauvages et indigènes d'ici. Nos produits sont offerts à la boutique de la ferme sur rendez-vous, aussi au marché Museau d'Écosse, à la boutique Un monde à vie à Mascouche et à la boutique Art Déco à Saint-Lin-Laurentides. En achetant nos produits, vous faites de beaux cadeaux à vous-même et à votre entourage. De plus, vous contribuez à la mission d'insertion sociale et professionnelle de Jardin humanitaire et vous participez à un développement durable. Alors, j'espère que vous avez aimé votre visite. Et comme à l'habitude, mes deux coups de cœur aujourd'hui, d'abord le coffret de vinaigre aromatique. Et deuxième coup de cœur, le concept même des jardins humanitaires, un carrefour d'humanité et de culture, permaculture. Venez voir ça, c'est fantastique. Bonne visite, à bientôt.